Le mercredi 8 janvier, Meghan Markle et le prince Harry annonçaient un nouveau tournant dans leur vie à deux, ou plutôt à trois, puisqu'ils sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Archie, en renonçant à leur fonction royale. Près de trois mois après cette annonce, la rupture entre les Sussex et la couronne s'apprête à être officielle. Ce mardi 31 mars marquera, en effet, l'entrée en vigueur du mégot. Le prince Harry sera d'abord et notamment, dépouillé de ses titres militaires. Lui et sa femme, en outre, n'auront plus le droit à la marque Sussex Royal, n'étant plus des membres seniors du clan Windsor-Mountbatten. Ainsi, Meghan Markle et le prince Harry prennent les devants. Ce lundi 30 mars, les abonnés Instagram du couple ont pu découvrir un message touchant du couple, relayé sur Twitter par Rebecca English, correspondante royale pour le Daily Mail. Le compte Instagram des époux sera bientôt suspendu, mais toujours visible sur la toile comme l'a précisé la journaliste, tout comme leur site internet. Même si vous ne nous voyez pas ici, le travail continue, promettent le duc et l'ex-actrice. Et de conclure, avec une pensée pour le contexte de crise actuelle, merci à cette communauté, pour le soutien, l'inspiration et l'engagement partagé pour le bien du monde. Nous sommes impatients de vous retrouver bientôt. Vous avez été géniaux. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Une nouvelle vie à Los Angeles après le Canada, Meghan Markle et le prince Harry ont mis le cap vers Los Angeles. Un déménagement surprise, pourtant prévu depuis quelque temps selon une source proche du couple, qui a alimenté les rumeurs notamment au sujet des impôts des Sussex. Du côté de Donald Trump, que la duchesse n'apprécie guère, comme elle a pu le prouver avant de rejoindre la famille royale, la colère a grondé. Sur Twitter, son réseau social de prédilection, le président des États-Unis a affirmé avec véhémence qu'il ne paierait pas pour leur sécurité.